told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far is shaking for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. Salut, salut la compagnie. Ouais, je suis en forme ce matin, je suis de bonne humeur, donc tant mieux. Alors, vous avez vu, ça c'est mes tuyaux d'eau qui sont des tuyaux de chauffage qui passent par là. J'ai fait ça bien avec des petits crochets, tout ça. Et là, je suis en train de passer mon tuyau de gaz. Voilà, là je suis en train de passer mon tuyau de gaz. Il arrive décoffré. Et puis là, je l'ai tout bien déroulé dehors. Et là, je peux le tirer gentiment pour venir l'amener jusqu'à ma gazinière. C'est le seul tuyau de gaz qu'il y aura dans le bus. Et en fait, on a un petit souci, c'est que c'est pas normal qu'on n'ait pas le droit de mettre de flexible dans les camping-cars parce que c'est bien plus pratique. Mais bon, je sais pourquoi. Là, en fait, pour enlever ma gazinière, un flexible, c'est pratique. Je tire ma gazinière et je débranche, vous savez, comme une maison. Alors que les camping-cars, en fait, les plaques, on peut tout dévisser d'en dessous ou sur les côtés ou par derrière. Et voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir de flexibilité au final, même si les frigos, j'avoue, c'est la merde à démonter dans les camping-cars. Hein. Donc moi, je vais faire sortir le tuyau comme ça, et je vais lui donner, vous savez, quelques vagues en fait. Comme ça, il aura de la flexibilité pour pouvoir le reculer de 20-30 cm, je dévisse de derrière, et puis je sors la gazinière. Je ne vais pas la sortir entièrement avec le tuyau branché dessus. Voilà. Tout l'avantage d'avoir du recul aussi, c'est qu'au moins il est un peu plus flexible. Et c'est tout. Après, voilà, la gazinière, ce qu'il faut, c'est pas non plus trop la sortir tous les 4 matins, quoi. Mais bon, on sait que s'il y a besoin, je peux tirer la gazinière de 20-30 cm et dévisser. Voilà. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure. Moi, je finis tout ça. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait aussi dehors, parce que j'ai enlevé la cuve d'eau. J'ai tout nettoyé, parce qu'à force de faire des trous à droite, à gauche, bah, j'ai envoyé un petit peu de limaille de fer. Vous savez, il y avait des poussières et tout. Donc, j'ai enlevé ma cuve à eau. J'ai tout débranché les raccords. J'ai tout sorti, pompe à eau, tout ça. J'ai dû faire un trou. Parce que normalement, ma nourrice, elle était dans mon coffret où il y avait ma pompe sur le côté. Et je me suis dit, c'est pas du tout pratique, Jérémy. T'avais pas pensé à ça, Jérémy. Alors, c'est que mon arrivée d'eau, elle arrive direct dans ma nourrice, de ma pompe à ma nourrice. Ça, c'est facile, au final. Mais je me suis dit, t'as tous tes départs d'eau que tu vas devoir transpercer le couloir, en fait, pour les amener dans tes pièces. Parce qu'en fait, il y en a un problème. C'est que la partie où il y a mes soutes, j'ai juste, là, j'ai mon couloir, vous voyez, j'ai mon couloir. Et dans mes soutes, je vois mon couloir, je peux faire un trou, et voilà, j'ai un trou, j'accède directement, comme je vais faire avec la gazinière, j'accède directement dans mes soutes ou dans mon couloir si je fais un trou. Alors que les parties où il y a les capots moteurs ou les petits capots là-bas, j'ai une fausse tôle. C'est-à-dire, j'ai mon couloir, j'ai un vide, et j'ai encore une grosse tôle. Donc c'est-à-dire que quand il faut que je perce la tôle, il faut que je perce deux tôles, et en plus j'ai au moins genre 15-20 cm entre chaque tôle. Donc c'est impossible en fait, hein. J'ai déjà foutu un mandrin de ma perceuse en l'air à cause de ça, mais j'ai réussi, j'en ai fait qu'un, j'ai dit c'est bon, je fais plus jamais de trou de ce côté-là, j'ai été calmé. Donc j'aurai juste un tuyau à faire passer en dessous, et ma nourrice d'eau froide, elle va être pas loin de mon chauffe-eau, donc elle va être dans ma soute, et je vais pouvoir alimenter mon évier qui est ici, ma salle de bain, en toute facilité, et je l'alimente directement mon chauffe-eau, et pareil, mes départs d'eau chaude, je les fais partir des soutes, plutôt que tout faire partir de là-bas, pour venir jusqu'ici, c'était bien trop compliqué. Donc j'ai démonté ma nourrice, et là j'ai enlevé toute ma cuve pour faire passer un tuyau d'arrivée d'eau au niveau de ma nourrice d'eau froide. Voilà, je sais pas si vous avez bien suivi. Voilà, bon, je finis et on se reprend après, ok? À tout à l'heure. Et on se retrouve là, regardez. J'ai mon tuyau de cuve qui arrive ici, donc je l'ai découpé. D'ailleurs, je n'ai pas évasé.
Enfin, je sais pas comment on dit, hein. Moi je suis pas plombier. Hein. Voilà, alors en fait, c'est les petits raccords qui se présentent comme ça. Vous voyez? Vous avez une petite. Il y en a qui ont dit oui, c'est interdit les raccords olives. Mais n'empêche que c'est ce qu'ils vendent pour les camping-cars. Hein. Ça, c'est ce qui me restait de flash. Donc c'est bien, j'ai pas besoin de les acheter. Vous avez ça qui va à l'intérieur. Ok. Et pour ne pas l'écraser, vous avez ce qu'on appelle des petits fourreaux qu'il faut acheter absolument. Ce petit fourreau, il va aller dedans. Normalement, si tout va bien, il va être dedans. Alors attention, ça fait peur, mais en fait, j'ai mis une vis, une mèche de la même taille que le tuyau, normalement. C'est juste pour enlever la petite bavure, en fait. Voilà. Et normalement, ça devrait aller. On rentre le petit fourreau dedans, voilà. Hop, on vient l'enfoncer dedans. Et ce petit fourreau en laiton, il va éviter que le cuivre recuit, il s'écrase, tout simplement. Ah, vous avez des petites olives qui vont venir prendre par le dessous. Et maintenant, on va serrer. Je vais chercher les clés. Hop, voilà, il y a un petit tuyau en caoutchouc. Maintenant, je vais bloquer ici. Je vais serrer là. Et là, je peux me permettre de serrer, voilà, un petit peu plus fort pour vraiment être sûr, de toute façon. Hop, voilà. De toute façon, il y a le fourreau. Le tuyau risque pas de s'écraser. Vous voyez, voilà, ça y est. Là, j'ai mon alim de gaz qui est quasi prête. Bon, ensuite, je vais venir mettre des petits crochets partout, hein, vous savez. Je vais bien tout fixer ça. Voilà, je me suis laissé une petite vague, on ne sait jamais. Je laisse toujours un petit peu de marge. Parce que si jamais, un jour, j'ai envie, pour je sais quelle raison, j'ai envie de changer la position de, du détendeur ou quoi, eh ben, je sais que j'ai une petite marge. C'est joli, une femme qui travaille. Ça, tu me filmes, je suis stressée. C'est vrai? Regardez si c'est pas joli ça. Regardez. Charlotte Marouf. Pas moi, la tapisserie. Bah là on se rend pas bien compte, mais elle a déjà fait ici. Les côtés, ça c'est la cuisine qui se rend blanc, le salon se rend gris. Non, c'est pas un blanc. C'est ouais, chier. C'est un. C'est quoi? Un blanc cassé. Un blanc cassé. Limite beige. Donc c'est un blanc cassé. Voilà. Et en fait, là, on va aller chercher la gazinière. Parce que moi, je vous fais voir vite fait ce que j'ai fait. Pas grand chose. Ouais, toi tu tiens pas ta vie, toi. Alors regardez, j'ai mis le petit tuyau de cuivre quand même, hein, faut le souligner. J'ai tout fixé ici, donc ça part là-bas. Normalement, je devais mettre un robinet sous le meuble, vous savez, je vous l'ai dit. Et puis en fait, je pose ma ligne de cuivre, tout ça, bah, tout fier de moi, c'est trop bien fait, c'est bien fixé, c'est du costaud. Et là, je me dis, mince, j'ai oublié de mettre mon robinet là-bas dans le meuble. Du coup, je l'ai mis là. En fait, il sera sous un meuble, vous savez, de toute façon, on a les pieds, et nous, comme on les surélève au maximum, un peu comme les camping-cars, j'aurai une petite trappe et je peux ouvrir et fermer mes robinets. Voilà. Voilà, ça donne ça. Ok, j'ai une sortie en rab et puis l'autre sortie qui va direct à la gazinière. Donc là, ce que je vais faire, on va monter avec Charlotte la gazinière pour que je regarde exactement le tuyau qu'il faut et je vais faire souder mon raccord. Putain, faut montrer ça. Qu'est-ce que t'as fait? Bah dans ma découpe, j'ai un petit bout de regardez, regardez. Du coup, j'ai voulu le recoller. Enlève ta main, je zoome dessus. Regardez, les gens ils vont voir là. Vieux défaut. Ah, je suis dégoûtée. Regardez, mais elle fait que ça des défauts. Regardez, je vais vous faire voir un truc. Non. Regardez, attention. Défaut. Alors, je tiens à préciser, s'il vous plaît, que je dis. Tadam. Je dis mince, mon lait il est trop petit. Je fais, bon, bah tant pis. Je vais prendre du beurre. Je vais refaire un autre. Sauf que Jérém, mais non, c'est bon, laisse tomber, c'est derrière le frigo, ça se verra pas. Je t'ai sûre, il me dit, ouais, t'inquiète. Je le pose, et là, regarde, il fait, tu vas remettre un bout quand même. On avait parlé du petit côté ici, non. On n'avait pas parlé du gros rectangle là-bas. Non, non, t'avais vu que ça n'allait pas jusqu'en bas. Et là, je dis, t'es pas un chieur, toi, quand même. Et ben, ça restera comme ça.
toute façon, c'est derrière le frigo. Ouais, c'est derrière le frigo. Bah alors, et là, à la gazinière, je pensais qu'il fallait qu'on achète une genre de petite plaque, tu sais, isolant contre la chaleur. Ouais, on pourra pas, il y aura la fenêtre. Bah là, bah chouchou, derrière la gazinière, tu vas pas la mettre ah, sur la derrière fenêtre. Derrière la gazinière, non, je pensais que... On va la coller, je vais en chercher une tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai. Allez, on monte la gazinière. Des trucs pare-feu aussi, là. Ouais, bah un truc c'est pare-feu, ça, rigide, on va en mettre un. D'accord. C'est bon ouais. Attends, attends, je la pose ici. Okay. Attention, il y a le robinet, il y a du ouais, silicone. Vas-y, enlève encore. Vas-y. Voilà. On peut la poser, là, voilà. Je vois pas le robinet, là. Je le vois, moi, t'inquiète. Oh oh. Bah voilà, vous avez pas vu comment on en a chié. C'est pas passé par là-bas. Et n'empêche, pour le frigo et tout, on va faire comment? Après, si une gazinière passe, le frigo, il passe. Et la machine à laver, elle fait 56 de large. Et ça, ça fait 60. C'est bon, normalement, ça devrait passer. Sinon, il faut démonter le frigo. Mais non, non, ça pue. Moi, je démonte pas le frigo. Il y a tous les tuyaux de gaz et tout. Non, après, c'est un truc, est-ce qu'il va plus marcher? Tu vas voir, je sens un gros comme une maison. Non, ça mais là, passe, hein. Oh, bah non. Alors, mon petit trait. Ah, t'as mis le papier peint, du coup, j'ai pu montrer. C'est vrai? Ouais. Ah, bah si, j'en ai un là. De toute façon, on l'aligne à la fenêtre. Bah non, il y aura le meuble de 60. Hé, hey, ça passe pile poil. Dire, il y a des petits tampons, t'as vu? Ouais, il y a des petits tampons pour éviter de trop l'enfoncer. Voilà. Elle est contre ces petits tampons. Et t'as vu? Le truc derrière, le four, ouais. Il est en pied comme ça, pile poil sortait les trucs de gaz. Ouais, ouais, les tuyaux de gaz, ils et passent. Ça va pas trop chauffer, c'est bon. Tuyaux de chauffage, non, bah c'est une gazinière, ça craint rien. Par contre, il faudra qu'on lui mette un truc. Ouais, un pare-feu là. Un pare-feu, ah bah ouais, là, ouais. Parce qu'elle va chauffer. Après, on n'est pas obligé de la coller non plus. Oh là là, notre première gazinière. Enfin, notre premier ustensile de cuisine. Notre premier meuble. Notre premier ustensile dans le bus, quoi. Derrière. Par contre, ouais, je me dépêche. En cuisine, ça prend plein dans la fenêtre. Hein. Ah bah tu voulais une fenêtre en face ta gazinière. Faut savoir hein. Voilà, et en plus ça va s'ouvrir nickel. Le truc il va pas gêner. Le truc il va pas gêner. Bah l'entourage ah, de oui. Fenêtre. Allez, je monte le dernier tuyau et on se retrouve après. Voilà, ça va donner ça. Vous voyez ? Ça va être fixe. Là, j'ai pris la hauteur pile poil par rapport à la gazinière. J'ai un tout petit peu de marge au cas où, s'il faut monter la gazinière pour la régler, que les pieds réglables ou pas. Par contre, après, on n'aura plus trop de jeu. Donc, je vais la couper ici pour être sûr et je vais vite faire souder ça. Ok, à tout à l'heure. Bon, bah là, ça fait drôle parce qu'on va au magasin donc pour faire la soudure. Et pour y aller, on est obligé de passer par notre ancienne maison. Vous voulez la voir? On va aller vous faire voir ça. On aime bien voir si ça a évolué ou si elle est restée dedans. S'il y a eu du changement. Ouais, voilà. Là, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé. Petite commère, quoi. Ouais, ça ouais. Fait un petit moment. Bah, depuis qu'on est rentré de la poignée, je crois, depuis ouais, mois de janvier, on n'y a pas été. Voilà la petite maison qu'on avait. On avait une petite forêt sur la droite, là, dans le noir. Ouais. Qui est super longue, qui ici, faisait 2500-3000 mètres carrés. Et puis là, la petite maison. Ils ont changé les volets. Avec 6000 mètres de terrain. Vous voyez, tout ça, c'était, ça faisait partie du terrain. C'est propre, hein. Nous il y avait des carcasses de 4x4. Jusque là, jusqu'à le petit bois là. Voilà, derrière le voilà. Bois encore. Hop. C'est bon. Bon bah ça y est, vous l'avez vu. Ça te fait quoi? Rien. C'est joli quand même. Ouais, franchement. Elle n'a pas bougé extérieurement, ils ont rien. Si, ils ont repeint les volets, t'as vu? Non, ils ont mis des volets. Ah, ils ont mis des volets. En haut, ils ont juste mis un volet pour faire beau, mais sinon tout est tel quel. Ouais, ça n'a pas trop ouais. Changé en fait, j'ai c'est pas tout gardé, ça. Mais. Ça te donne pas envie de revoir une maison? Non. Non, mais ça, je me dis, on est resté quand même quasiment 8 ans dedans. Oh, elle était bien, elle était pas si mal, elle était pas malheureux. Hein. Non, non, on était bien, on avait de l'espace. Oh les enfants, ils avaient de l'espace et tout. Et là, juste là, on avait notre petit maraîcher bio. Bah, on a toujours, mais on a tellement toujours. Pas le temps d'y aller, c'est un truc de dingue. C'est qu'en fait, il faut qu'on y retourne. On avait dit en fait. Qu'on irait, on avait dit qu'on irait tout. Oh là là, on n'a pas le temps de rien. C'est un on truc mange de... mal, on mange pas beaucoup frais. Je cuisine est... quand même tous ouais, les jours. Ouais, mais c'est un truc de fou. Là. Excuse-moi, mais Jérémy, je te fais de la cuisine avec des produits frais. Oui, j'ai qu'une hâte, moi, c'est de bien manger. T'exagères quand même. Comme avant. Et ce soir, petit gratin dans le fou. Ouais, Jérémy, il a dit, je t'installe la gazinière ce soir, gratin. Ouais. Obligé. Oh, oh. Gratin. Donc, va falloir aller faire quelques courses. Ah, c'est trop beau, vous travaillez trop bien.
avec ton c'est tuyau. Bon. Voilà. Petite soudure, hein, nickel, comme il faut. C'est dommage que j'ai pas ce qu'il faut pour souder, mais bon, pour faire une soudure une fois tous les 3 ans, ça sert à rien. Ça va, puis ça coûtait pas super cher. Non, ça nous a coûté pas cher. Et voilà, moins, c'est on bien va fait. Monter ça. Et ce soir, qui c'est qui va manger un petit gratin? C'est moi. Parce que Jérémy, il va aller le préparer. Oh, rigole-moi là. On fait moins le malin là. Bon, allez, on va vous reprendre tout à l'heure. Je suis cuisinier, moi, je te signale. Ah ouais, bon ouais. Ah bon? Ça, je suis heureuse. Mais non pratiquant. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça en fait, cuisinier non pratiquant. Ouais. C'est comme les cordonniers, non, c'est pas ça, c'est eux les plus mal chaussés. Je suis sûr que parmi d'entre vous, il y en tu a qui sont. Tu vas pas là-bas la flèche. Pourquoi faire? Ouais, pour aller chercher la plaque, ah non, et tout ça, les courses, faire tout ça, et tout. Hein. Les courses de bah quoi? Bah ouais, tu veux faire ton gratin avec quoi que le plat en verre dans le four? Eh ouais, si on ah. faisait un gratin de rien. Bah ouais, ça, moi c'est je original. Bien, bon. Donc je disais, je suis sûr que parmi d'entre vous, il y en a plein qui sont cuisiniers non pratiquants. Est-ce que je me trompe? Voilà. Enfin bref, c'est parce que c'est les. Bah ouais, bah sa porte, elle est pas un peu haute lui. Bon. On a mis un truc qui est pas non, fini. Non, mais c'est pas fini, je pense qu'il va donner des escaliers. Donc, ouais. Et ben on vous reprend tout à l'heure parce que j'ai mal au bras. Et parce que là, on sait pas ce qu'on va faire. Allez, à tout à l'heure. Maman! 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 Bah, t'étais en train de pleurer? Elle s'est cognée dans la tête. Oh, bah alors. Ils faisaient du trampoline et ils se sont cognés. Voilà, la gazinière est branchée, l'électricité fonctionne, le robinet de gaz s'est fermé, là-bas c'est fermé, je vais aller ouvrir, on va tester. Ouais, t'as déjà testé. Ah, non, j'ai dit on attend que Charlotte elle arrive, que les bandits, que tous les bandits soient là et on essaye. T'as pas mis mon petit bout d'alu? Parce que mes steaks végés, je les fais là-dessus. Non, tu vas aller. Bah, tu m'en fais ma bouteille de gaz. Ah ouais, t'as intérêt à protéger, hein, pas toute la salière, la gazinière. Allez, je vais allumer le gaz, on va voir s'il y a une fuite. Viens, Lucas. Attention, j'allume. Il y a une fuite, mais à la lire. Alors, je vais regarder d'où ça vient. J'ai trouvé. En fait, ils mettent des petits morceaux de carton dans les tuyaux. J'ai oublié de l'enlever. Donc ça, en fait, voyez. Petit morceau de carton, il faut l'enlever. Hein? Sinon, ça fuit. Donc là, ça fuit pas, ça sent pas le gaz. Maintenant, on va ouvrir ici. Attention les enfants! Ça a peut-être pété. Ah, t'as entendu, ça fait piou. Vous voulez tout de suite, hein? Attends que ton air, elle arrive. Ça va péter la tronche. Mais non, Charlotte. Ça sent pas là, c'est de l'air. Avant que le gaz il arrive, il faut bien que l'air elle s'en aille. Ça y est, il y a le feu. C'est bon? Voilà. T'es contente? Ouais. Je suis croque. Hop, celui là-bas c'est bon. Le petit c'est bon. C'est trop bien ça, piezo. Ouais. Ah bah on n'aura plus besoin de briquet. Voilà. C'est le premier truc que j'ai et on à a papa. Une belle flamme un peu grosse, je trouve. Un peu grosse, ouais. Oh. Ah non, on met pas les doigts. Hop. Et le four maintenant. Le four aussi, la pièce d'eau. Voilà. Ouais. Le four est allumé. Ah, c'est trop génial. Et tu peux régler jusqu'à 9. Donc, à mon avis. Il va chauffer dur. Il est bien. Non, mais je pense qu'il est bien. Tu peux bien le régler en fait. Et là, j'allume le ventilo. Je vais le faire chauffer un peu pour voir. Il y a la lumière. Voilà. Ouais. T'as ton four à chaleur tour et j'ai regardé. Il aspire par le milieu et il te recrache de l'air chaud partout sur les côtés et tout. Check. Donc ça, je pense que ça va vraiment être bien. Check. Eh, tu fais quoi? Non, t'es attaqué. Je t'ai vu arriver. Tu m'as vu. Waouh. C'est joli comme tout, c'est plein de couleurs, ça sent le soleil. T'as vu ça toi? T'as mis des petites épices et tout? Alors j'ai mis ce que j'avais dans le frigo, hein. Courgettes, tomates, oignons. J'avais de la patate douce. Bon, on a été la chercher au magasin, on n'avait ouais, pas dans le frigo. La patate douce, ouais. J'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du paprika. Génial. Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais un plat plein de légumes. Voilà, vous l'avez attendu, on n'a pas arrêté de vous en parler. Il est là et on va faire le déballage. Ça, c'est notre toilette.
Déjà, c'est vraiment bien emballé. Il y a plein de petites boules comme ça en polystyrène. Il n'allait pas casser. Hein. Avec un petit mot. C'est marrant ça. Caguez pas dans l'eau, buvez-la. Lecopo.com. À mon avis, c'est une entreprise qui est du sud pour parler comme ça. Mode d'emploi, ceci, cela. Ouais, bah ça on connaît. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, il y a un petit mode d'emploi. Oh là là. Ça va en mettre partout ça. Je vais faire un déballage express. Attention. Déballage. Voilà. Déballage express. Alors, eh ben déjà, il est super chouette ce petit toilette. Hein. Vous voyez, on a pris le modèle avec le petit réservoir de scie incorporé. Qui a l'air d'une bonne contenance hein, quand même. Et puis bah, après, c'est un toilette normal, hein, sauf que c'est un toilette sèche. Hop, et ici, vous ouvrez tout pour pouvoir changer votre seau. Un grand seau. Il y a le couvercle et on a un petit rouleau de papier toilette recyclable, recyclé, je veux dire, dans le seau. Eh bien, je vais vous le faire voir plus en détail, hein, du coup. Alors, tu l'aimes bien? Il est beau, hein? Donc alors, c'est le modèle Papillon Douglas, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez trouver sur le site lescopo.com. Si je ne dis pas de bêtises non plus, ouais, c'est ça, lescopo.com. Ça, je vais les garder, petites affiches, elles sont trop marrantes. Surtout celle-là, en gros, ça vous explique bien... Bah, ça vous explique bien, en fait... tout l'intérêt d'un toilette sèche et que c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre et qu'au final, c'est vrai, hein, mais on oublie de le dire, mais en fait, chez vous, c'est pas du tout une critique, hein, mais chez vous, vous faites caca dans de l'eau potable, c'est un truc de dingue. Ça serait dans certains pays, c'est même pas imaginable en fait. Donc on fait ça dans de l'eau potable, on va dire oui, mais l'eau elle est recyclée, ouais, mais l'eau qui est recyclée, et, voilà, elle s'en va dans la nature comme ça en eau pluviale, dans les eaux pluviales, voilà, vous. On s'en resserre pas. Au pire, on aurait de l'eau recyclée pour les toilettes, ça serait déjà bien. Mais bon, en tout cas, nous, on sait que dans nos habitats mobiles, les toilettes sèches, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et même après, on a fait quoi, 1 an et demi, 2 ans sur les routes, vraiment sur les routes, ben voilà, on a retourné encore en toilettes sèches parce qu'on a vraiment bien aimé. Et je me vois mal avoir des toilettes chimiques ou encore rebalancer de l'eau juste pour les toilettes, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc du coup, on continue en toilette sèche, on est super content. Et c'est vraiment le modèle qu'on voulait avec le petit rebord ici. Vous voyez, le petit rebord ici pour que ça prenne moins de place. Et puis le petit réservoir intégré, donc on a trouvé celui-là. Il est en bois Douglas, il a été verni. Et bah voilà, j'espère que ça va être super bien. Et maintenant, j'ai qu'une chose à dire, faut qu'on aille le monter dans les toilettes. Parce que là, il ne va pas rester là, c'est bien beau. Faut qu'on aille le monter. Voilà. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve là-haut pour le montage du toilette. De la toilette. il y en a plein qui nous ont dit oui, on dit pas un toilette, on dit la toilette. Oui, mais moi je viens du nord et je parle mal et en fait c'est pas grave. Donc j'ai envie de dire un toilette, je dis un toilette. Ok, allez, à tout de suite. Ne bouge pas, Charlotte, tu vas nous présenter le toilette quasiment fini. Il est fixé. Je pensais que tu voulais faire voir la salle de bain. Après, ah. On a plein de trucs, on t'a fait quelque chose tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, on va vous faire voir le toilette. Qui est posé, il reste nous les finitions en fer, Charlotte, papier peint, et c'est quasiment beau. Donc je suis ultra contente de mon toilette parce qu'en plus il est beau, il est chouette. L'entreprise Lescopo, ils sont super adorables. Donc voilà, vous êtes prêts? Ça fait plaisir de faire des partenariats avec des entreprises comme ça. C'est, moi je suis vraiment content. En plus, ils sont pas très grands, je crois qu'ils sont 2 ou 3 employés. C'est pas une grosse structure, donc franchement, c'est vraiment top quoi. Attention, c'est parti. Ta-dam. Voilà les toilettes montées. Tout est jointé pour les copeaux. Hein. Les enfants ils vont en mettre partout. Une petite en fait. Partie là-bas fermée. Voilà, je vais mettre une petite plaque là-bas pour éviter que les enfants ils mettent des,
des copeaux de bois partout, parce que c'est le petit souci. Voilà. Accrocher le petit bloc de papier toilette par là-bas. Et puis, on va pouvoir caguer dans nos nouveaux toilettes, ça va être trop la classe. Allez. Attends, on s'en va pas ? Dans l'ordre ? Ah, dans l'ordre. Waouh, ça fait lumineux quand on arrive ici, c'est un truc de fou. J'ai pas rangé. Et donc là, j'ai fini toute la tapisserie de ce côté-là. Attention. Salon. Tadam, donc blanc cuisine, c'est ça ? Blanc cassé. Enfin, blanc cassé, attention, ce que je veux dire. S'il te plaît, c'est pas blanc. Et là, on part sur un gris en fait. Un gris simple. Un gris tout simple. Après, il y aura des décos. Donc, bah, on a collé ça à la colle à fibre. Ça colle beaucoup mieux. Ça colle mieux, mais je suis pas voilà, contente y a parce des... que... Il y a quelques petites joints, traces pour les joints. Pour, ouais. bien que ça soit, pour bien que ça soit collé, en fait, bah, on est obligé de mettre un peu de colle au bord, forcément. Et puis, bah, du coup, ça dépasse sur le papier peint. Et j'ai beau nettoyer à l'eau, mettre du papier et tout. Et en fait, ça fait des traces. Je suis dégoûtée. Donc, par contre, niveau collage, c'est pas bien grave. Puis après, ouais. Lucas, il a pris mon pinceau tout à l'heure. Lucas, il s'est déjà fait plaisir. Il en a mis partout là, il en a mis sur la vitre que j'ai nettoyée. C'est quoi ces gosses ? Je te jure. Je vous ai déjà dit, les gosses, ça détruit tout dans un camping-car. C'est un truc de fou. Donc voilà. Bah là, j'ai fait aussi cette partie-là de cuisine, donc il me reste plus que la salle. Donc il me reste vraiment pas grand-chose à faire. Et ce côté-là, donc la tapisserie, j'en aurais fini avec la tapisserie. Après, couloir, finition du toilette, salle de bain, je suis en train de m'en occuper. C'est vrai, il y a le couloir. Et ouais, il y a le couloir. Et ouais. Donc voilà, on va voir ce que tu as fait en travail. Allez, c'est parti. Pas grand-chose comme d'habitude. Ouais, allez, c'est ça. Ouais. Ah, ça grince, ça m'agace. Donc voilà, moi j'ai commencé à mettre le lambris PVC dans la salle de bain. On se croirait dans Flash. Hein. Ouais, grave. C'est un truc de ouf. Hein. Bah, c'est pas la même couleur qu'on avait dans Flash. Hein. Hop, voilà. Tout est déjà jointé, en haut, en bas, sur les côtés. Et puis il me reste ce côté-là à finir. Dans Flash, voilà. il était pas Il était un peu plus bleu. Il était bleu-vert. Les traits, là, ils sont gris. Ouais. Et nous, ils étaient beige. D'accord. De toute façon, c'est exactement le même, hein, en qualité. C'est exactement le même. C'est le seul qu'il y avait dans cette qualité-là et sans les rainures au mieux, en fait. Voilà, quand vous l'assemblez, vous avez l'impression que c'est en un seul bloc. Du coup, t'as caché le trou ? Quel trou ? Là-haut ? Ouais, le trou, il s'est caché tout seul. Je le savais, hein, qu'il allait se cacher. C'est donc voilà, on va pouvoir se laver bientôt. Impeccable. J'ai hâte. On est en mode ouf là. Moi je peux vous dire qu'on va y aller au salon du véhicule de loisirs au Bourget. On a trop envie. On a rendez-vous le 20 à Caligaz et on prendra rendez-vous début septembre, voire la deuxième semaine de septembre Dréal. Pour la Dréal. Voilà. Et normalement ça devrait être bon. Fin septembre on peut rouler avec. Là je pense que dans quelques jours on va attaquer le dossier. Ouais, répartition puis, des charges, tout ça, on a commencé à regarder. On a pas mal de questions par rapport à tout ça. On va tout vous expliquer en temps et en heure, vous inquiétez pas. Mais là, on n'est vraiment pas dedans, donc ça sert strictement à rien quand vous répondez. J'ai pas envie de me mettre dedans. Et du coup, là, d'ici quelques jours, je pense qu'au cours de la semaine ou semaine prochaine, on va commencer à attaquer le dossier. Et puis, on a rendez-vous aussi la semaine prochaine pour nos passeports. Ah oui, c'est vrai, passeport la semaine prochaine. Le 7. Donc du boulot, en vue. Et encore du boulot. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Hein, à mon avis, là, ça va encore avancer sévère. Ouais, une fois qu'on aura l'homologation, tout ça, il y aura encore du boulot. Mais au moins, on pourra rouler avec, on sera plus serein. On pourra rouler, ça va être trop bien. Oh, le bonheur, on va être comme ça en train de rouler. On va où ? Là, t'imagines un truc de dingue. Parfois, j'ouvre les yeux, par contre. Ouais, par contre, ça sera mieux. Ouais. Allez, gros bisous, on vous laisse. Allez, bye ciao. Bye, à bientôt. Prenez soin de vous, bisous. À samedi. Y'a pas de Burger King sur notre route et ça a fait chier. Vous êtes ok, petit Burger King, putain. Ah, parce que t'as pas le choix, c'est comme ça. Bon.
Vous avez été nombreux à nous dire ouais, pourquoi t'essayes pas de tester tes tuyaux. J'y avais pensé il y a longtemps, mais j'avais trop peur qu'il y ait des fuites. Et en fait, je me suis dit ah, ça se trouve, je vais faire ça et tac, tac, et hop, c'est bon, je peux essayer. Donc, regardez là-bas, j'ai mis un tuyau sur ma nourrice, j'ai fermé tous les autres robinets et j'ai ouvert celui qui va dans tous les tuyaux de chauffage. Et là, viens, Charlotte, on va aller voir dehors. Vous voyez, ça va sortir ici. Et ici, je peux fermer pour mettre en pression le circuit et voir si ça déconne. Voilà. Vous regardez mon look, c'est ça? Ouais, je sais, j'ai le look. T'as le look coco. Attends, t'as pensé pareil que moi. T'as le look coco. T'as le look qui te colle à la peau. Oh yeah! Oh ben. Ouais, quand le 29 août arrive, je me sens de plus en plus Michael Jackson parce que je vous rappelle, mon anniversaire, c'est le 29 août comme Michael Jackson. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être né le même jour que Michael Jackson. Eh ben, c'est tombé sur moi. J'y peux rien, c'est tout, c'est comme ça. Vous, c'est Josiane Balasco ou j'en sais rien, ben moi, c'est Michael Jackson. Il n'y a pas plus haut, quoi. Alors, donc, on n'a pas de toki. On fait les conneries, mais... Tu m'as piqué mon toki, non? C'est pas toi? Ah, j'ai la pression, c'est un truc de dingue. Et je vous le dis, hein, j'ai pris mon petit tournevis avec mes six fours serrés et quelques colliers. S'il y a 20 fuites, moi j'enlève tout. Hein, sérieux, je vais le faire ou pas? Oui. Ah ouais, non, ça c'est bon. S'il y a une fuite, ça va. Mais s'il y a 20 fuites, allumette, non. Allumette, elle est dans le compost. Hein? Allumette, elle est dans le compost. Allumette, viens ici, dépêche-toi. Bah d'accord. Viens là. Bon. C'est pour allumette qui a toussé. Pas une crotte. T'as allumé un peu? C'est bon? Je vais mettre un petit peu plus de pression. Ouais, un petit peu plus de pression. Il en faudrait un quatrième là-haut pour contrôler la nourrice. Ouais, c'est allumé. Ça fuit pas au robinet, j'espère. Là-haut. Je sais pas. Il ne manque une personne. Ah, ça vient. Parce qu'il faut pas mettre. Parce que ma mère, elle a une pression fou là, dans sa maison. Et un tout petit peu plus. Il va faire du sport, lui. T'avais qu'à pas brancher le toki. Allumé, il aurait chargé. Ouais, si on monte trop en pression, c'est pas un circuit qui est fait pour monter en pression et tourner vite surtout. C'est fait vraiment pour que l'eau circule. Faudrait pas qu'on aille le péter en mettant trop de pression non plus, ça sert à rien. Oh là, t'entends des gloup gloup gloup. Oh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de couler partout à l'intérieur. Vas-y, viens. Tu me dis si ça coule au bout du tuyau. Oh, ça fait trop peur. Oh la vache, ça fait trop peur. Oh, ça fait comme un chauffage central dans une maison. Oh là 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 là. Ok, bah on va laisser purger un peu l'air. Elle est jaune, c'est vrai? Oh là là! T'entends ce qui soulève? Ouais, viens, on retourne là-bas vite pour voir la couleur de l'eau. Allez, vas-y! Regarde toute l'herbe qu'il y avait dedans, il y avait des bestioles qui avaient dû aller dans les tuyaux. T'as vu? Oh, c'est dingue! Oh, c'est dingue! Bon, t'es où Théo? Il est parti? Quoi? Il est dans le bus. Là maintenant, il y a de l'eau qui circule, ça va pas fuir, c'est normal, c'est pas en pression. Tu vas aller là-bas.
Je vais couper. Quand je te dis top, tu coupes. Ok? Vas-y, go! Go! Elle est bonne, hein? Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle dit? Allumer ou éteindre l'eau? Éteindre! Là, je monte en pression. Top! Top! Allume encore un peu. Là, je suis à un bar, là. Je suis à un bar. Et ça se trouve, à l'intérieur, ça fait partout sur les raccords et tout. Stop! Là, c'est bon, c'est bon. Stop, dis-lui qui coupe. Coupe, coupe! Stop! Oh là. Oh là, c'est bien gonflé. Allez. Eh ben maintenant, faut aller voir. Déjà ici, est-ce que je peux contrôler? La lampe, elle est où? J'ai paumé ma lampe. Non, elle est là. Déjà là, ça fuit pas. Là, ça fuit pas. C'est le départ. Allez, on va voir ensemble si ça fuit. Là, on est coupé, on est en pression. On va voir si ça fuit. Vous pouvez regarder partout les raccords. Et le jeu, c'est de trouver une fuite. Ça, j'essaie, ils vont s'en donner un cœur joie. Il y a une fuite ici. Bon, allez, on va commencer par le début. Ou alors, on les contrôle tout simplement comme ça, et puis c'est tout. Ah, tiens, fuite là-bas. Ah oui, elle a trouvé une fuite. Tu sais, c'est juste où il y a la gazinière, ouais, tu sais, vrai. Juste pour prendre la tête, quoi. C'est lequel qui fuit? Ça coule bien, hein. Ouais, le collier était pas bien. Sur les autres colliers, lui, si ça fuit. Le collier était pas bien serré. C'est bon, ça coule plus. Par contre, j'aurais dû plus le pousser en fait, le collier. Bon, allez, ça c'est bon. Là, ça fouille pas. Ah, tu m'as fait peur. Et là, on est en pression, hein. Je pense qu'on sera pas... Ah ouais, là, on est bien. Là, je pense que je suis au moins à 2 bars et je serai jamais autant en pression. C'est un circuit quasiment ouvert qu'on va faire. Hein. Bah, écoute, je vois pas de fuite, c'est pas normal. C'est pas normal de fuite bien. C'est pas normal que tu fais un truc et ça marche du premier coup. Je filme. Quand ça fait ça, c'est que... C'est qu'on est bon en fait. Non? Hein? Réponds derrière ton appareil. Oui, c'est très bien, je suis fier de toi. J'ai l'impression que je suis le meilleur. Non, je rigole, vous allez croire que c'est vrai. Tu vas rallumer, tu vas faire ça. Hop, et tu recoupes. Ok? On va monter un petit peu encore en pression, augmenter d'un bar. Ouais, je l'allume une ou 2 secondes. Ouais, vraiment, tu fais ça. Tu ouvres pas à fond, tu fais. Et tu coupes. Ok. Truc de dingue. Une fuite. Chouchou. Une fuite. Et encore, c'était le collier. Ouais, c'était le collier qui était mal serré. Je savais que j'en avais oublié un. T'as pas fait le retour, par contre. On n'a pas été voir dans la pompe à eau. Bah ouais, il est gonflé. Bah, c'est qu'on est bien. Donc, il va augmenter encore un peu, là. Et là, par contre, si ça pète, ça va faire... Pouf. Oh là là, c'est génial. Ça fuit pas. Maintenant, faut que ça chauffe. Oui, mais ça, c'est pas grave, c'est un détail. Oh, je suis trop content. Tape là. On dirait un peu. Good job. Ouais. Bon boulot, ça. Bon, après, ça va chauffer, se dilater, chaud, froid, chaud, froid. Et, mais normalement, c'est bon. C'est des durites qui sont prévues pour les moteurs. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de fuite, quoi. C'est un truc de dingue. Même sur les trucs, les colis à sertir et tout. Regarde. Aucune fuite. Hein. Rien du tout. Hein. On n'a pas regardé dans le couloir. Aïe! Ah, ça en général ça fuit pas les colis à sertir. Si c'est bien serti, ça bouge pas. Oh là là! Nickel! Bon, et eh bien je suis content. T'es contente aussi? Ah, ouais. C'est cool, hein, ouais. Franchement, ça fait plaisir. Quand même, mais bon, c'est... Vas-y, coupe!
Bon, on va lâcher la pression, hein, au moins qu'on fasse ça toute la nuit. Non, non, on pourra pas fermer la porte. On lâche la pression. Allez, attention. Ah, j'ai un pompier. Test concluant pour l'instant. Hein. Ah, j'étais bien à... Franchement, j'étais bien à 2 bar, 2 bar 5. Bah, ils vont se vider là maintenant, on va les laisser se vider. Voilà. Hé, papa. Hop là. Encore une fois. Ouais, c'est bon, tu peux couper, chouchou. Et pour papa et Pipip. Hourra. Et Pipip. Hourra. On ne vous entend pas là. Hourra. 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 Regarde, elle a vu un lièvre. Oh. Ah ouais, non, ah ouais, un lièvre. Anna. Elle trace. Attends. Hé, hey, Gamora, viens là, mon cher. Au pied. Allez. On touche pas au lapin. Allez, allez, allez. C'est bien, elle a du rappel, c'est bien. C'est bien, mon chien. C'est bien, mon chien. Ouais, allez, viens. Viens là. Alors, on court après les lapins. Il t'aurait eu 3-4 mois de plus, t'aurais été l'attrapé. Hein, hein. Les lapins, on les laisse. Il va aller dans son petit terrier si tu la tues. Fais comment pour retrouver son petit mari ?